Bonjour, nous sommes en direct avec le postier principal de la ville de Chessy. Nous allons l'interviewer. Bonjour, que se passe-t-il pendant vos tournées ? Bonjour, dans mes tournées, j'ai l'impression de toujours livrer le même colis à chaque fois que je touche la boîte aux lettres d'une des boîtes aux lettres de la rue de la Herpinière. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui apparaît et qui disparaît dans la fumée avec des gros cheveux rouges. Merci. Et vous ne trouvez pas cela mystérieux ? Si, un peu. Bonjour, Agnès du Schmilblick. Où habitez-vous ? J'habite au 73 rue de la Herpinière à Chessy. Très bien. Et que recevez-vous dans vos boîtes aux lettres ? Je reçois toujours le même courrier, tout le temps, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année même. Car ça fait un an que je reçois à présent une enveloppe avec dedans 3 chamallows. Je crois que c'est de quelqu'un qui est anonyme. Très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre qui vous surprend dans cette lettre ? Eh bien, oui, parce qu'il y a écrit top secret dessus, mais je ne crois pas que ce soit top secret, ce n'est que des chamallows. Et vous avez déjà vu celui qui vous donne cette lettre ? Non, mais par contre, à chaque fois que j'ouvre la lettre, tous les jours, il apparaît et il disparaît dans un nuage de fumée. Et comment était-il ? Eh bien, il avait des cheveux rouges et une veste noire. Et... Là, regardez ! Avez-vous le colis ? Oui, j'ai le colis. Et pouvez-vous nous le montrer ? Bien sûr. Regardez, il y a écrit « Colis express, top secret, urgent ». Apparemment, c'est fragile. Merci de nous l'avoir montré, vous pouvez le reposer. Et saviez-vous à quoi ressemble le mystérieux personnage ? Oui. Pouvez-vous nous le décrire ? Oui, il porte toujours une cravate, avec une chemise, avec une grande veste noire avec des petits boutons dorés. Et j'ai cru voir aussi un peu de vert sur ses manches. Nous sommes devant chez le facteur et nous allons lui poser une dernière question. J'arrive ! Elles sont où les clés ? Mon Dieu, tiens, mon Dieu ! Ah, stick ! Vous, ici ! Je n'aurais jamais imaginé la retrouver ici. Savez-vous ce qu'est devenu ce mystérieux bonhomme ? Oui, il est en prison, je crois. Et êtes-vous heureuse ? Eh bien, oui, car je suis débarrassée de lui. Mais non, parce que j'aurais préféré qu'il y reste plus longtemps. Savez-vous pourquoi a-t-il fait ça ? Eh bien, parce que je crois que c'était une blague. Mais moi, je ne trouve pas ça très marrant. Je n'aime pas les chamallows, en plus. Et qu'avez-vous fait de tous vos chamallows ? Je les ai mis dans ma cheminée. Et les 3 derniers ? Eh bien, je vais les récupérer à la poste. Qu'allez-vous en faire ? Je vais les manger. Même si vous n'aimez pas les chamallows ? Oui, je vais les manger. Je vais me forcer. Très bien. Au revoir, merci. Et j'espère qu'il va être viré de la poste. Au revoir. Au revoir.